Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous montrer que malgré la crise, des entreprises continuent de recruter massivement. C'est le cas par exemple de S2I qui est un puissant groupe de services du numérique qui emploie 10 000 personnes dans le monde et vient d'annoncer l'embauche de 60 nouveaux salariés d'ici un an pour son bureau de Bordeaux. C'est une agence qui compte aujourd'hui 105 salariés et devrait même voir ses effectifs grimper à 200 ingénieurs d'ici 2022. Il travaille aussi bien pour des secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense que l'énergie ou encore l'e-commerce sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Et la dualité justement entre les acteurs industriels et les métiers de l'IT fait la force de ce groupe et lui permet aujourd'hui de mieux résister aux impacts de la pandémie. Alors les profils recherchés, ce sont surtout des Bac plus 5, avant tout des développeurs et des chefs de projet ayant au minimum deux ans d'expérience. Mais au-delà des compétences techniques, nous voulons des gens avec du savoir-être, une forte adaptabilité et un esprit innovant. A préciser au service éco de Sud-Ouest, Camille Reynaud, qui est la responsable du recrutement de S2I en Nouvelle-Aquitaine. Sauf que ses talents ne sont pas aisés à trouver, car il y a une pénurie de développeurs informatiques aujourd'hui en France. Et la guerre des talents à Bordeaux, justement, s'est accrue avec l'arrivée de grands comme Betclic, Ubisoft ou encore Deezer qui ont aussi renforcé évidemment la qualité de l'écosystème. Alors pour les attirer, S2I, S2I a investi la société qui est aujourd'hui troisième de sa catégorie du classement des entreprises où il fait bon de travailler en France, vient de rénover entièrement ses locaux à Mérignac. Elle a par exemple ajouté une salle de repos, une ludothèque et un baby foot. Et par ailleurs, elle n'hésite pas à chasser dans d'autres régions, en Ile-de-France, en Bretagne ou encore en Loire-Atlantique, en proposant des primes au déménagement et des aides à l'installation via une agence qui appuie ses recherches de logement pour faire face à ces développements. Ce sont des offres dans le poids que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet de S2I dans le sud-ouest.